Le début de cette partie très attendue entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Match lancé par Adil Zourak et l'arbitre marocain. Une rencontre. C'est tiré deuxième poteau. C'est bien sauvé de la tête avec ce centre. La balle dans la surface de réparation. C'est dur de se retourner. Ballon joué au-dessus pour une remise de la tête. Oh, c'est même pas une remise. C'est une défense adverse. Attention, ce ballon intercepté. Oh, le ballon a été échappé. La sortie du gardien, il a bien fait. Je laisse mettre. Position d'attaque importante pour le Sénégal dans la surface. Oh, cette longue balle qui passe. Oh, attention à cette balle qui est passée. Oh, c'est manqué, incroyable. Chaque côté. Le centre, il est pas mal celui-là. La reprise de la tête à puissance. Côté. Attention en défense, ça passe trompé. La reprise acrobatique de Sadio. La touche de Mama Baldé. Oh, la reprise de la tête, ça aurait pu être un peu. Corner, en sortant, la reprise de la tête, la parade d'Edouard Mendy, ça c'est la grosse. Plus sacré pas Diatta avec Sadio Mané. Sadio Mané s'ouvre le chemin du but, c'est sauvé, deuxième chance, Boulaïa de la tête, c'est sauvé encore, la double. Diatta, centre de Crépin Diatta, deuxième poteau, oh la reprise. C'est Ligalaise, avec cette remise, Sadio Mané, ça va très vite, il va au bout. Il va tellement vite qu'il va au bout, Sadio Mané, pour marquer ce but de la victoire. Une victoire pas nécessaire ce soir, mais importante. Kassama, la contre-attaque sénégalaise, ça peut partir vite et fort. La sortie du gardien, il est effacé, les défenseurs vont venir aider. Oh, et Pelé peut dégager en touche pour qu'il soit joué. Et cette fois-ci, c'est terminé. La victoire du Sénégal, 1-0 sur le terrain de la Guinée-Bissau. Le derby a été remporté par des Sénégalais qui se qualifient officiellement.